Je fais pas trop de bruit parce que je suis entouré de chevreuils. Et là, je suis au ver canadien, je pense que ça va mordre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Le Guide du Pêcheur. Là, je suis au ver canadien et je pense que ça va mordre. Alors j'étais déjà venu ici l'an dernier, un peu plus tard dans la saison, il devait être au mois de mars. Et j'avais fait une vidéo avec une pêche à la sauterelle où j'avais fait du chevesne. Donc là, j'ai essayé de faire une passe au ver canadien. Et bon, c'est parti direct. Donc à mon avis, je pense que je vais en faire. Petite perche pour commencer. Un peu plus gros. En fait, c'est des rotangles, mais comme c'est l'hiver, l'eau elle est encore super froide. Les couleurs elles sont pas franches. Je les reconnais avec sa bouche qui est vers le haut. Voilà, c'est un tout petit peu plus gros. Je pense que c'est de la perche. Affirmatif. C'est un petit peu plus gros, hein. C'est toujours sympa. Celui-là, il a des couleurs un peu plus prononcées. Bon, là, c'est beaucoup plus gros. Ver canadien, j'ai mis un peu de viandox dessus. Je sais pas décrocher. Bon, je vais lâcher le téléphone. J'ai le temps de la remonter. Donc voilà, celle-ci doit faire un bon 20 cm.